Yo tout le monde, c'est Christer, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui on se trouve sur Battlefield Airline, donc on va faire un petit load-up sur donc Airline et non pas sur PFK cette fois-ci. C'est un load-up proposé par Jikvik donc sur Facebook, sur donc un groupe de Battlefield. Il me propose donc un load-up nommé Snakey Uzi Sniper. Alors jouer en mécanicien comme vous pouvez le voir. Il me coûte donc si je joue côté donc hors la loi, jouer avec l'Uzi. Bon là on est côté donc flic. Si c'est donc un flic, il me dit de jouer avec le M45. Donc M45 PSG. D'ailleurs au passage PSO1 pardon. Petite parenthèse, le PSO1 n'est pas disponible sur l'Uzi, donc en plus de ça ton load-up n'aurait pas pu marcher sur l'Uzi. Donc voilà, je suis désolé. Donc après il me dit donc PSO1 x4, lampe tactique. Silencieux, il me dit donc de jouer au 410 jury ou bien de jouer au 38 snob. Donc le 410 jury, je l'ai pas débloqué, donc on va jouer au snob sans accessoires, d'accord. Donc il faut que je joue avec le téléphone satellite apparemment pour aider mes collègues à se déployer, d'accord. Masque à gaz, ok. La fumigène et le couteau pour le corps à corps. Donc, il me dit essaye de flanquer le plus possible tes ennemis, d'être le plus discret possible et de faire plus de kills à distance. Ok, bon, bah, on va tenter ça. Bon, je me suis mis dans le quartier parce que je me suis dit que ça va être un peu plus chaud de pas se faire choper. On va prendre la lampe parce que vu qu'en fait c'est, on va dire, il y a que 3 couloirs sur cette map. Si vous êtes pas, hop, ouais, j'ai, il y a que 3 couloirs, donc si vous faites repérer, vous êtes foutu. Donc il faut être très rapide, c'est un peu c'est. Ça va remplacer, alors la balise, on va planquer là, là, les mecs sautent, il faut la repérer. Enfin, il a remarqué qu'il n'y a pas. Hop. Ok, on passe à l'étage. Ah, laisse-moi passer, mon dieu. Ah merde, c'était pas un allié. De toute façon, je l'avais dit, hein, que faire donc flanquer les ennemis et être discret le plus possible sur le quartier, c'est quand même quelque chose d'assez chaud. Mais au moins, l'avantage c'est que si vous y arrivez à flanquer les ennemis, et ben vous êtes sûr de faire un véritable carnage. Hop, les deux mecs. Wow. Hop. Il m'a dit de mettre ce que je voulais comme recul, donc après le gilet pare-balles, on va pas s'embêter. J'ai bien fait de dégager de là. Ouais, j'ai vraiment bien fait de dégager de là. Hop. En fait ouais, le. Au final je le trouve vraiment sympa. Ça me fait plaisir à toi. Ah non. Il est pas eu bon, 11 à 4. Ouais, ce load-up c'est super sympa. Bon, après, moi sur le M45, j'aime pas trop mettre de silencieux. Déjà, sur Airline, je vais vous dire une petite confidence, je déteste jouer avec le silencieux, peu importe l'arme choisie. Eh oui, un mec qui joue sans silencieux, c'est bizarre. Hein. Oui, parce que. Enfin, je trouve déjà que ça gâche un peu le gameplay. Bon, après, ça peut être sympa sur certaines situations, mais après, je trouve honnêtement que c'est pas le meilleur truc à faire. Hop, hop, vous ne m'aurez pas. Je peux pas mettre un petit cache-flamme ou un truc un peu plus utile. Ah, j'ai pas eu l'avoir, il est dans la tête. Enfin ouais, je peux faire mettre autre chose, un canon lourd par exemple, parce que ça augmente la portée et la précision. Et ouais, c'est quand même un petit plus, contrairement aussi à ceux qui me diminuent la portée. Hop. Peut-être pas là, mais là ouais, là ça devrait le faire. Ah purée. Bon, au moins je voulais vous tuer, enfin vous faire qu'il y ait un kill avec le 38 snob. Donc au moins ça c'est fait, hein, pour le fun. J'espère qu'il n'y a pas trop ma balise lui. Il va vite réapparaître, vite. Non, il va la trouver, on va rabattre là. Il va pas se faire tuer.
quelqu'un qui tire dessus avec un silencieux, c'est cool, j'ai la suppression, enfin le bruit de suppression. Non mais c'est quoi ça? Le mec s'est quand même pris 4 balles dans la gueule quand même. 4 balles de snob, je suis bien d'accord, ok, je suis d'accord, c'est de la dope comme flingue. Mais attendez, il a 5 balles, je le touche quand même avec mes 4 balles de mon flingue, il lui reste quand même un quart de la vie. Et c'était même pas un ingénieur, il avait même pas le gilet pare-balles quand même. Là c'est un peu abusé. Voilà, et hop. Je me fais tuer encore une fois. Oh là là. Et c'est galère, c'est galère, c'est galère. Hop, j'ai pu voir un gars passer là. Là. Hop. Pour le moment, ça a l'air d'être bon. Vite, on va se mettre à couvert. Hop, on va recharger tranquillement. Ouais, en fait, la balise, moi, elle me sert pas grand chose. Je peux pas faire un pas de mes collègues et voir après. Hop, on va voir si ça vaut vraiment le coup plus tard. Hop, c'est ici comme ça. Merde, ouais, donc c'est vraiment la déjà son accessoire c'est nul. Et ouais, j'ai peut-être pu débloquer l'autre flingue, donc je regrette un peu. Hop. Le snipe est en haut sur le toit là, c'est ça? Ouais, c'est sur le toit. D'accord, bon. Petit bug de déplacement. J'aurais fini avec du 41-20, j'aurais donc essayé de faire, enfin de remplir ma mission. La mission que m'avait demandé donc Gilles et Vic, pardon. Donc voilà, on va quitter, on va revenir sur le, ouais, sur le menu. Donc bon, après l'aperçu Gilles Vic, bah ton ouais, ta classe, ta loadout est plutôt pas mal, honnêtement. Enfin pour le corps à corps, vraiment pour le combat urbain. Point de vue parce qu'il y a un silencieux, donc voilà, bon, c'est comme ça m'a quand même permis de progresser en travers les lignes ennemies, donc c'est quand même un petit avantage. Il y a plusieurs fois où on a vu donc les ennemis pas me remarquer alors que je butais leur pote juste à côté, comme à un moment sur le côté du conteneur, je crois en hauteur si je m'en souviens bien, c'est le moment qui m'a plus marqué je crois. Après la lunette, je pense à mon avis, enfin je trouve que c'est un peu trop gros pour enfin, je trouve que la lunette ça sert à rien parce qu'on n'a pas beaucoup de portée, donc évidemment la lunette c'est pas vraiment utile. Je t'aurais plutôt conseillé si, plus faire, enfin, si tu préfères les lunettes autres que les visions voilà, infrarouge ou thermovision ou autres que les holo ou cobra, je t'aurais conseillé donc moi je joue généralement avec la micro T1, voilà, c'est ce que je préfère. La comp M4 j'aime pas trop et la SR2 j'aime pas trop, c'est là je la trouve bof. Mais vraiment si tu veux, il y a un bon viseur, essaie celui-là, il est super sympa. La lampe tactique, franchement je peux pas donner un bon avis, enfin je peux pas donner mon avis, mais je pense que ça a été un peu utile face à certains joueurs. Après quand il a un pompe honnêtement ça sert à rien, donc à la limite moi je te conseille plus tu vois viseur laser, c'est quoi je monte. Regarde déjà si on met bon là on perd rien, on perd juste la précision, quand tu t'en fous parce que vu que t'es un silencieux déjà tu perds beaucoup de portée,
Regarde, si on met un canon lourd, regarde le canon lourd, en parlant du canon lourd, regarde le contrôle qu'on gagne, regarde la portée qu'on gagne, regarde la pression qu'on gagne. C'est déjà un bon plus. On évite le silencieux, honnêtement. C'est vrai que quand t'es en milieu vraiment restreint, c'est pratique. Quand t'es en milieu moyen, sur des grands couloirs, je te conseille le canon lourd plutôt. Là, je te conseille donc le viseur laser. Bon, de toute façon, le canon lourd, si tu mets le viseur laser, le canon lourd servira à rien pour le contrôle, donc tu pourras gagner de la pression et de la portée. Voilà. Sinon, je te conseille, si tu veux garder, rester comme ça, enfin, garder à tout prix silencieux, essaye peut-être la holo pourrait être pas mal. La holo, silencieux et viseur laser, tu vois, déjà, t'auras une petite acquisition des cibles rapides avec la holo. Sinon, si tu préfères, tu as donc le micro T1. Et ouais, c'est vraiment de la redonde, mais micro T1. Qui est ouais, pratique, qui est vraiment sympa, aussi bien que la holo. Ça change un petit peu. Le viseur laser, ça permet de faire des tirs jugés. Et tu verras que sur Hardline, c'est vraiment pratique, les tirs jugés. C'est beaucoup plus pratique que les autres tirs. Et le silencieux, comme ça, tu peux garder ton silencieux, mais regarde le contrôle. Le contrôle qu'on a gagné. Talent tactique, au moins, bon, voilà. On n'avait pas les nuits, mais au moins en tir jugé, quand tu rushes dans le tas, tu peux en avoir plusieurs. Enfin, c'est plus pratique pour les avoir, c'est plus rapide, t'as plus de contrôle en plus. Donc voilà, moi je te conseille plutôt voilà, de changer, garder si tu veux vraiment jouer comme silencieux en accessoire principal, et ben je te conseille de mettre en accessoire secondaire, mettre donc la holo et le viseur laser. Voilà, après, bah, le Sumno, comme accessoire, j'aurais vraiment mis le viseur laser, en tout cas, au moins ton contrôle. Là, bon, on pourra mettre là non plus. Bon, après, j'aurais eu le 410 juré, ça aurait été un peu mieux. Fait plus de dégâts et j'aurais plutôt un peu plus posé leur gueule. Téléphone Sagenix, c'est super sympa de jouer avec. Surtout quand le mec s'est bien placé. Bon, c'est pas, je sais pas si c'était mon cas. Demain, j'essaie de le placer où je pouvais, à l'avant de tous les regards et tout. Bon, à la fin, je l'ai mis plus près du con, enfin de la ligne front, mais assez loin pour éviter que les mecs viennent la détruire. Le masque à gaz, honnêtement, si tu joues fumigène, la masque à gaz enlève-le, mais plutôt renfort blindage. Sinon, avec ta fumigène, enfin, si tu gardes le masque à gaz, enlève la fumigène et mets plutôt la lacrymo. Tu verras, oula, j'ai fait une petite erreur. Voilà, tu verras, la lacrymo en plus, c'est un petit truc qui est sympa. Donc, si tu veux regarder, c'est un youtubeur qui s'appelle Nubes, donc N-U-B-E-S, qui a fait un petit tuto là-dessus sur la lacrymo et qui explique en fait, donc c'est prouvé, j'ai regardé moi-même, j'ai testé, comme quoi que la lacrymo permet de doubler ses dégâts. Quand tu vas tirer sur un mec qui est dans une lacrymo, qui a un effet de lacrymo sur lui, il va te falloir maintenant 3 balles, alors qu'un mec qui a pas d'effet lacrymo, il va lui falloir 6 balles. Du coup, c'est bien plus rapide quand tu tombes en combat, et avec le masque à gaz, c'est super sympa. Après, le couteau, moi je préfère le couteau, je trouve ça plus rapide pour éliminer et tout, je trouve ça plus sympa. Voilà. Bah après, en réputation, moi honnêtement, je mets gilet par balles, ça augmente donc voilà, les dégâts à l'explosion, donc ça diminue les chocs. Après, je me mets en grenade 40, donc ça me met des grenades supplémentaires pour lance-patate si jamais vous avez, bon, c'est pas utile sur cette classe. Visée rapide évidemment, comme ça c'est mes plus rapide pour viser, et bah après je mets recharge rapide, voilà. Voilà voilà, bon bah j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à laisser un commentaire et bien aussi à participer évidemment, c'est le principe, c'est que voilà, c'est le dope, enfin le dope du principe de l'odox, c'est que c'est vous qui faites la vidéo. Voilà, allez.